La région Auvergne-Rhône-Alpes accueille la 46e Coupe Icare. C'est à Saint-Hilaire-du-Touvet et Limbin que se tient le plus éblouissant festival mondial du vol libre. On le ventile à froid, donc on le remplit d'air froid à l'aide du ventilateur. Une fois que le ballon est suffisamment ventilé, c'est là qu'on va chauffer l'air avec la flamme du brûleur et c'est là qu'il se lève. Alors on est très précis au niveau de l'altitude, donc en fait c'est pas compliqué, hein, on brûle, ça chauffe, ça monte, on brûle pas, ça chauffe pas, ça redescend. En revanche après on est dans les couches de vent, donc on peut jouer avec les altitudes et potentiellement les différentes couches de vent, mais on peut pas dire que vraiment on dirige. L'intérêt justement, c'est de ne pas savoir où on va et oui, chaque vol, on a une vague idée de la direction, mais c'est toujours une aventure. C'est une région qui est très compliquée à voler parce qu'on a des vents un petit peu dans tous les sens. Mais on a souvent du nord et du sud. C'est un peu un avantage, c'est que les pilotes, ils vont partir dans un sens. Ce matin, ils peuvent monter à 1500 mètres. 1500 mètres, il y a un retour. Ils savent qu'ils peuvent revenir. La boîte, c'est d'essayer de trouver des vents. On décolle d'un point, donc ce matin d'ici, et au bout de 20-25 minutes, on arrive à se reposer quasiment au terrain de décollage. Donc c'est vraiment la boîte, c'est de revenir pile poil au même endroit. Il faut que les vents puissent vraiment faire du 180 degrés pour pouvoir revenir, donc c'est vraiment bien calculé pour être ni trop à droite, ni trop à gauche. Donc c'est pas tous les jours qu'on retombe au même endroit. Et puis bon, moi j'avais une obligation, c'est que je suis parti avec quelqu'un de la voiture, parce que normalement on part et le véhicule doit nous suivre pour nous ramener. Il n'y a pas d'exploit, c'est un impératif. Hello, on est samedi, bienvenue à la Coupe Icare. C'est le point d'orgue de la Coupe Icare. Icarnaval est une communion entre le public venu en masse et des dizaines de mordus de parapentes venus présenter leurs incroyables déguisements issus des quatre coins de la planète vol libre. La Coupe Icare, 46e du nom, c'est tout ce week-end. Une régalade visuelle à suivre au prochain épisode.